Jésus. Amen. Amen. Alors, le bishop m'avait parlé, il m'a dit, le thème exploité pour le moment, c'est le miracle. Et c'est basé sur le livre de Marc. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. J'aime bien le miracle. J'aime bien les choses qui sont particulières. Parce qu'on peut parler des choses communes et on peut se dire que tel peut faire ça, tel peut faire ça. Mais quand on parle des miracles, c'est quelque chose que Dieu seul est capable de faire. Amen. Donc il n'y a pas une connotation de l'homme, il n'y a pas une honte, il n'y a pas d'empreinte quelconque étrangère. Il y a la main de Dieu dessus. Et le texte base est sur le livre de Marc, chapitre 1. Le Marc chapitre 16, nous allons lire au verset 17. J'ai lu la parole. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 16, verset 17. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, virgule. Ils chasseront les démons, point virgule. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est Christ qui parle à ses disciples avant de faire son ascension, avant de partir. Nous savons que tout père, tout responsable qui veut aller loin a toujours quelque chose à dire auprès de personnes avec qui il vit. Et là, on parle de la mort et de la résurrection de Christ qui devait rentrer auprès du Père. Alors, il avait quelque chose d'important parce qu'on peut toujours manquer le début de quelque chose, mais la fin a toujours été très, très importante. Et c'est cette fin-là. Avant de partir, il dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On voit, c'est une phrase. Pour mieux la discerner, je vais la scinder. On dit voici. Quand on parle de voici, voici veut désigner quelque chose qui est proche de nous, quelque chose qui est à notre portée. C'est contrairement à voilà. Voilà, c'est quelque chose qui est relativement un peu plus éloigné. Mais quand on dit de voici, voici, donc c'est quelque chose qui est là, que je peux toucher, quelque chose qui est tout proche de moi. Il n'a pas dit « voilà les miracles », il a dit « voici les miracles ». Donc ces choses-là sont tout près de nous et c'est avec nous. Il dit « voici les miracles ». Les miracles, quand on regarde dans le dictionnaire, on dit que ce sont des faits qui sont extraordinaires. Ce sont des choses qui n'ont pas une... C'est dépourvu de toute explication scientifique. C'est-à-dire, quand on voit ces choses-là, on voit, on met la raison à côté, on ne sait pas faire une conciliation. On ne sait pas expliquer. On ne sait pas comment ça se fait, comment ça a commencé, comment ça a débuté, comment ça va finir, comment c'est fini, comment ça est arrivé là. On a beaucoup d'exemples, puisque parmi nous, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu des miracles. Puisque le miracle n'est pas seulement physique, le miracle est aussi spirituel. Amen. Parlons d'effet physique. Une femme qui n'a pas de matrice, la matrice qui est la base même de comment je peux dire, la base même du siège du fœtus. Donc une femme qui n'a pas de matrice, scientifiquement cette femme-là ne peut pas avoir d'enfant. Une femme dépourvue de trompe ne peut pas concevoir, puisque les organes même qui lui permettent de pouvoir prendre un bébé et le garder dans son sein sont absents. Mais par la grâce de Dieu, on en a vu, on en a entendu, qui n'avaient pas de matrice, mais qui ont eu des enfants. Et on a appelé ça miracle. Ils sont partis auprès des médecins. Les médecins leur ont dit, vous ne pouvez pas enfanter madame. Mais après quelques mois, elle rentre auprès de ce même médecin. Et le médecin constate qu'elle est enceinte. Et le médecin s'étonne. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de mes concepts. Au-delà même de mes pensées. Mais quand même, néanmoins, ça y est là, je le vois. Amen. C'est un miracle. J'ai mis une définition que j'ai vue. On a dit le miracle, c'est un fait qui est attribué à quelqu'un qui agit sous la puissance d'une divinité. Donc c'est quelque chose qui est attribué à une divinité. Il y a une puissance supérieure qui permet à cette chose-là d'agir.
qui permet à ces choses-là d'arriver. Et Dieu, c'est Dieu qui... Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Le miracle pour moi, je dis, c'est le cachet de Dieu. C'est le sceau de Dieu. N'est-il pas dit que nous, qui sommes chrétiens, nous sommes une lettre écrite? Tu peux moi écrire toute une lettre, quand il n'y a pas un sceau en bas, la lettre n'a pas de valeur. Tu peux pas faire des choses comme tu veux, mais on a besoin de ce cachet-là. Cette authentification. Je peux vous donner à manger, vous pouvez me donner à manger. Je peux avoir ça, vous pouvez me donner à boire. Je peux être fatigué, vous pouvez me donner du réconfort. Je peux chercher du travail, vous m'en donnez. Mais si je meurs aujourd'hui et que je reviens à la vie subitement, ce n'est pas vous qui allez le faire. Même si ça se fait au travers d'une personne, il y a la puissance de Dieu qui était sur cette personne-là afin que cette chose-là puisse arriver. Et la Bible dit, voici les miracles. En d'autres termes, voici donc à votre portée les choses extraordinaires, les choses surnaturelles, les choses que vous n'avez jamais vues, des choses que vous n'avez jamais entendues, des pensées qui ne sont même pas montées dans vos cœurs, mais qui sont là à côté de vous, c'est proche de vous. Ce n'est pas voilà, c'est là avec vous, c'est à votre portée, donc vous pouvez y accéder. Mais ce n'était pas arrêté là. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront. Quand je dis accompagner, accompagner c'est se joindre à quelqu'un pour faire chemin ensemble. Si tu es devant moi, tu ne m'accompagnes pas. Si tu es derrière moi, tu ne m'accompagnes pas non plus. Le miracle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire que là, ça va nous précéder. Non, le miracle, on doit le vivre. On ne peut pas parler de miracle de ta vie après ta mort. Non. C'est quand tu es vivant sur cette terre, tu es vivant. C'est alors qu'on proclamera que Dieu avait agi au travers des miracles par cette personne. Cette personne a vécu le miracle de Dieu. Donc on dit, ces miracles accompagneront. Les miracles vont joindre cette personne-là pour faire chemin ensemble. Tu mets un pas, le miracle marche avec toi. Tu mets un pas, le miracle marche avec toi. Vous savez, vous avancez, le miracle avance avec vous. Devant, nous ne rendons pas compte de la grâce de Dieu qui est sur nous. Qui vous dit que quand on dormait aujourd'hui, tu n'étais pas mort en plein sommeil? On se réveille le matin en forme. Hein? Et peut-être qu'on oublie même de rendre gloire à Dieu. On ne dit même pas grâce à Dieu. On pense que tout est simple, tout est facile. Mais vas-y demander à ceux qui ne se sont pas réveillés. Ils ne sauront même pas les explications à te donner. Il y a des gens qui dorment en bonne santé, mais le lendemain, ils se réveillent paralysés. Tu dors bien, tu fais un rêve, je ne sais comment, demain tout est capote, tout est tabilé. Mais tu as dormi comme tout le monde, et tu te réveilles autrement. Nous expérimentons des miracles, des fois nos yeux ne savent pas nous voir. Et Dieu n'a pas besoin de se justifier auprès de nous. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut, quand il le veut et où il le veut. Moi je me dis toujours, s'il y a des gens qui ont besoin de voir, laissez-moi de la grâce de Dieu, du miracle de Dieu, c'est ma vie. Moi, je suis un symbole de la grâce de Dieu. Amen. Je me rappelle encore quand j'avais ma première grossesse, ma fille qui est là. Le médecin m'a dit, madame, vous savez, on a regardé, quand on a fait la prise de sang, on a vu que l'enfant que vous avez dans votre ventre là, ne sera pas au monde santé, ça sera un enfant mongol, atteint de la trisomie 21. Donc c'est une maladie, quand vous avez un enfant pareil, cet enfant-là, même quand il est né, il n'aura jamais une intelligence au-delà d'un enfant de 6 ans. Le médecin m'a dit ça. J'ai dit, ah bon, ça c'est le médecin, il a fait ses calculs, il a fait la prise de sang, il l'a dit. Je l'ai bien entendu. Je respecte son travail, mais je respecte plus le Dieu qui m'a aidé. Je respecte beaucoup plus celui qui me donne de promesses. Puisque je me suis rappelé un jour quand j'étais à l'université au Congo, je ne sais pas, on était en train de prier avec les collègues. À un certain moment, comme ça, l'Esprit de Dieu était au milieu de nous. Et il y a une prophétie qui s'en sortit. Et personnellement, Dieu m'a parlé. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, j'ai vraiment cette opportunité-là d'avoir une prophétie pour ma vie. Mais j'y ai eu ce jour-là. On m'a dit, Dieu a dit, il bénit le fruit de tes entrailles. Je n'étais pas mariée.
Je n'étais pas fiancée. J'en avais même pas la pensée. Mais Dieu avait déjà béni les enfants qui allaient naître de mon ventre. Quand le médecin m'a dit ça, la première phrase qui a sonné à mon esprit, c'est cette phrase-là. Il dit, Dieu avait dit qu'il bénirait le fruit de vos entrailles. Donc si un enfant qu'ils ont mis 21, c'est une bénédiction de Dieu, je l'accepte. Mais si ce n'est pas une bénédiction, il ne sera pas comme ça. On a lutté avec mon mari. Il m'a dit, on ne va pas se laisser faire. On est parti, le médecin a dit, non madame, ce sont des enfants qui ont une très grande charge. Vous ne saurez pas vraiment vivre, il faut qu'on l'évacue. Mon mari a dit, non, moi j'ai dit non plus. On s'est tenu main dans la main, on a dit au médecin, non. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. Le médecin ne faisait qu'insister. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas changer notre avis, il est parti consulter des assistants sociaux. On a vu une assistante sociale qui est venue, il nous a fait asseoir à deux ou trois reprises comme ça pour nous conscientiser de la grandeur, de la gravité de la chose avec laquelle on ne voulait pas se séparer. Amen. Madame, vous savez, on les laissait parler à la fin du discours, on leur disait toujours, on ne va pas le faire. Amen. Quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, il y a un examen qu'on nous fait. C'est une ponction amniotique. On attend que l'enfant puisse atteindre 6 mois. On te met une grosse aiguille dans le ventre. On prend les liquides amniotiques et on fait des analyses pour savoir, en fin des comptes, si ça va ou ça ne va pas. Et cet examen-là a beaucoup, beaucoup d'avantages parce qu'on bouge un peu le milieu de vie du bébé. Ça peut aussi évacuer le bébé. Quand on te le fait, je crois que tu restes 48 heures, 72 heures, tu ne peux pas bouger. Tu dois vraiment être pour voir la réalité. On a dit, on va le faire. Et on leur fera savoir que leurs pensées, ce ne sont pas les pensées. Amen. On est parti, on a fait cela. Et le médecin est venu, le même médecin qui m'avait dit depuis le premier mois, qui m'a stressé comme pas possible. Elle est revenue pour me dire, madame, tout va bien. Amen. Mais si on s'était laissé faire, cette fille-là ne serait pas née. Amen. Je ne l'aurai jamais. Son papa n'allait jamais avoir une fille comme ça. On l'a même appelée divine. Amen. On n'allait jamais. J'ai posé la question au médecin, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Elle ne sait pas répondre. Parce que ça ne venait pas d'elle. Dieu lui a donné l'intelligence. Moi, je respecte l'intelligence que Dieu a donnée alors. Parce que nous étudions, nous tous, pour faire valoir les choses que Dieu a créées. Parce que la nature est la notre possession. Nous devons la gouverner. Mais au-delà de cela, il y a une puissance. Et c'est cette puissance-là qui attire le miracle. Amen. Alors, la Bible dit, ça, ce n'est qu'un petit, une petite parenthèse. Mais il y a plus que cela. Même des choses que moi, je n'ai pas encore vécues maintenant. Parce que je sais qu'il y a des miracles au-delà de ça. Je sais que je le vivrai. Il dit, mais ces choses-là sont là, voici, à votre portée. Ils vont vous accompagner. Tu mets un pas, il met un pas avec toi. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le travail. Il te donne un travail par miracle. Demain, c'est la maladie, t'es guéri d'une façon miraculeuse. L'autre jour, c'est quelque chose de pas possible, il rend ça possible. Amen. Il dit, amen. Ça va t'accompagner, tu mets un pas. Amen. Et ça met un pas. Amen. Amen. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a une condition. Il y a une condition. Dieu a fait toutes choses bon en son temps. Mais non seulement ça, il a fait toutes choses pour une cause. Il a dit, ceux qui auront cru. Donc ceux qui ne croient pas. Si on comprend bien le légal. Non. C'est pas grave. Puisqu'il y a de mots, je peux dire, puisqu'il y a d'autres mots qu'on sait, mais je vais faire de mon mieux, on va y aller. Alors, il a dit, ceux qui auront cru. Donc, c'est une particularité. Croire, c'est avoir une conviction. Une conviction. Tu es convaincu au fin fond de toi que cette chose est comme telle. C'est comme ça. Croire, c'est avoir la foi. Alors la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Pour construire une conviction, pour construire la foi, il faut avoir entendu quelque chose.
Moi, je sais, on en a vu des gens qui se croient maudits parce qu'il y a eu le temps d'un jour qui avait proféré certaines paroles. Et la personne s'est dit, moi je suis maudite. Parce que ses oreilles ont entendu quelque chose et cette chose-là a créé une sémence dans la personne. Mais ce n'est pas de cela que la Bible dit. Ce n'est pas de cela que Christ a parlé. Il a dit, ceux qui auront cru, ils auront cru en quoi? La parole était tellement complète. Il a parlé des choses qui avaient déjà été écrites. Et c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est à quoi? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le plan de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une ferme plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. 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 C'est de cela que Christ voulait parler ce jour-là. Parce que Ésaïe a commencé à dire qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Et c'était quoi cette annonce-là? L'annonce était que Dieu avait vu le sort de l'homme parce que l'homme avait péché. L'homme avait péché et le péché était en l'homme et l'homme s'est écarté de Dieu. Et Dieu, dans sa compassion, dans son amour, il a pris son Fils unique. Enfin qu'il puisse venir prendre notre place. Parce que quand on avait péché, nous avions attiré la colère de Dieu sur nous. On vivait sur terre ici, mais avec la colère de Dieu sur nous. Mais Dieu, dans son immense amour, il a dit, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et Christ avait levé le doigt. C'est pas facile. Quelqu'un qui n'a pas connu le péché. Christ n'avait jamais péché. Il n'avait connu aucune impureté. On lui avait aucune iniquité. Aucune. Il a accepté de prendre notre place. Et il a accepté de prendre cette souffrance-là à la croix. La Bible dit, c'était quelqu'un qui n'avait ni éclat ni beauté. Mais quoi de plus normal? Tu prends toutes les impuretés, mais comment tu vas être propre? C'est pas possible. Mais qui ne pouvait pas le regarder? C'est nous-mêmes qui ne pouvions pas le regarder. La Bible dit, il n'attirait même pas les regards des hommes. Il dit, c'était quelqu'un, quand on le voyait, on avait envie de mettre les mains sur les yeux. On ne voulait pas le voir. On ne se contentait pas seulement de fermer les yeux. On voulait mettre les mains sur les yeux pour que même la curiosité de l'œil ne puisse pas percer sa présence. Tellement qu'il était sale et impur. Il n'attirait aucun regard. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit dans cet état d'impureté? C'était nos péchés. Il s'est revêtu de nos péchés, de nos iniquités, de notre mal, de nos maux. Il est monté avec sur la croix. Et à la croix, il a tout fait passer. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Car ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est le 1. Et il a dit, tout est accompli. Parce qu'il est venu pour accomplir une mission. La mission de Jésus-Christ, c'était le salut de l'homme. Christ est venu pour peupler le royaume de son Père. Amen. Ça, c'est l'objectif. Christ n'est pas venu attribuer, distribuer des grâces d'une façon comme ça. Pour rien. Non. Dieu fait toutes choses pour une cause. On a dit ça tantôt. Donc Christ, quand il est venu, son objectif premier, c'était d'amener les gens vers le royaume de son Père. Donc, qu'on ait de miracles, qu'on fasse de miracles, que l'on soit guéri, que l'on soit béni, c'est bien. Mais quel est l'objectif? C'est d'hériter le royaume des cieux. Vous savez, il y a eu une période, quand Christ était avec les disciples, à un certain moment,
Ils sont partis faire des missions. D'habitude, ils avaient l'habitude de se promener avec le maître. Quand ils partaient avec le maître, ils voyaient comment le maître exerçait, comment il parlait, comment il parlait de l'évangile, comment il guérissait les malades, il délivrait les gens qui étaient envoûtés, les démoniaques et tout et tout. Mais ce jour-là, les disciples étaient partis seuls. Et quand ils sont partis, ils ont annoncé l'évangile. La Bible dit, il y a eu de nombreux miracles. De nombreux miracles. Alors, ils sont rentrés tout contents, réjouissants. Ils ont dit au Seigneur, « Seigneur, nous avons été, on a prêché, on a vu les gens guéris, nous avons vu de miracles. » Ils étaient tellement contents. Christ les regardait parler, il les regardait dire. Il a dit, « Mais vous vous réjouissez parce que les démons vous ont obéi. Vous vous réjouissez parce que vous avez guéri des malades, parce que vous avez vu de miracles, c'est bien. » Mais ce qui est primordial, c'est que vos noms soient écrits dans le livre de Dieu. Il faut leur dire seulement que ma mission ici, c'est de vous amener auprès de mon Père. Mais ces choses-là que vous dites là, vont vous accompagner pour que l'on sache qu'il y a une démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que sans ces choses-là, il n'y aura pas de démarcation. On ne saura pas qui est des dieux, qui n'est pas des dieux. Quand toi tu pries, on doit savoir que tu es des dieux. Qu'ils invoquent les esprits, je ne sais pas quoi, mais quand toi tu parles au nom de Jésus, on voit des choses changer. Il a dit, ça va vous accompagner, mais n'oubliez jamais l'objectif. L'objectif, c'est d'hériter le royaume des cieux. Mais ces choses-là vont vous accompagner. Ils vous accompagneront parce qu'il l'a dit. Si vous croyez à ce qui a été annoncé, si vous croyez en moi, qui suis venu pour vous sauver, c'est alors ces choses-là vont vous accompagner. Amen. On a mis deux points. En mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Deux points. En mon nom. Vous savez, si vous ne croyez pas à quelqu'un, vous n'allez jamais citer son nom en cas de danger. Jamais. Jamais. C'est un réflexe. Donc quand tu dis ce nom-là, tu sens une force qui est en toi. Tu te sens reconforté, tu te sens affermi. Il y a un passage de la Bible qui parle de l'époque de l'apôtre Paul. On a dit, l'apôtre Paul faisait des miracles. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'était un racheté aussi, puisque Paul avait fait souffrir l'église et il en a tué des chrétiens. Mais il a fallu qu'il passe sous la croix. Il a cru à l'annonce qui avait été dite. Et Paul a proféré des paroles d'une grande puissance. Quand j'ai lu les écrits de Paul, je suis toujours épaté. C'est quelqu'un qui te parle d'une introduction, il te parle encore des textes, il te donne une conclusion soutenue. C'est vraiment soutenu. Donc tu vois, c'est comme si c'est quelqu'un qui... On lui avait ouvert une fenêtre, il a vu et puis il est venu écrire. Alors Paul faisait des choses. La Bible dit qu'il est arrivé même que Paul pouvait s'asseoir sur une chaise comme ça. Il s'élève, il part et on voit un malade, on le prend, on le met sur la même chaise, le malade est guéri. Mais Paul n'est pas là. Mais parce qu'il était assis sur cette chaise. Paul faisait des miracles et à un certain moment, il y a eu des gens qui l'ont vu faire et tout et tout. Alors quand il voyait des démoniaques et tout, il commence à prier. Nous chassons le démon au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Nous ne chassons pas, nous ne te chassons pas parce que nous connaissons les Christ que nous sommes en train de confesser, mais nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ça fait dire un schéma. Et ils n'ont pas cru. Mais ils se basent, ils sont cramponnés sur la croyance de quelqu'un. C'est étonnant de foi, nous qui nous appelons chrétiens. Nous nous cramponnons sur la foi des autres. C'est comme si on était incapable d'avoir une propre foi en soi. Tu as un danger devant toi. Tu as un enfant malade. Tu as une situation qui est chaotique. Tu cherches à appeler quelqu'un pour prier. Et toi, quel est ton travail? À quoi tu sers? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, dans les livres de Jean 1:12, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu le reçois, tu as le pouvoir. Recevoir et pouvoir. Parce que tu as entendu, tu l'as accepté, tu l'as reçu. Et tu peux. Ces gens-là, ils ont commencé à dire ça. Et les démons se sont retournés, les démons ont commencé aussi à parler. Ils ont dit, mais c'est vrai, nous connaissons Paul.
Le point de vous était là, nous les connaissons. Même les Jésus dont vous parlez là, nous les connaissons. Même vous là, vous, nous ne vous connaissons pas. La Bible dit, ils ont été frappés par les démons. Ils ont été frappés jusqu'à... On les a déshabillés, ils étaient nus. Donc, leurs œuvres cachées étaient mises au vu de tout le monde. Parce qu'ils parlaient d'un Jésus que eux-mêmes ne maîtrisaient pas. C'est pourquoi moi je ne m'inquiète pas quand les gens font des choses, des miracles. On ne sait pas identifier s'ils sont des dieux ou s'ils ne sont pas des dieux. Entre toi, prie Dieu, parce que tu as l'esprit vrai. Et ça se verra. On finit toujours par le voir. Parce que Dieu, on ne se trompe pas avec Dieu. Hein. Avec Dieu, on ne se trompe pas. Dieu ne fait pas ami avec n'importe qui. Non. On ne freine pas Dieu, jamais. Tu peux freiner ta pensée, tu peux freiner tes collègues. Je ne sais pas ta famille, mais Dieu, on ne freine pas. Non. On les a brossés et ils étaient mis à nu. Leurs œuvres là qu'ils cachent, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent dire. Mais ça va apparaître au grand jour. Mais là, cela n'exclut pas que les miracles existent. Cela n'exclut pas que les morts peuvent revenir à la vie. Ça n'exclut pas que les malades peuvent être sauvés. Ça n'exclut pas que les stériles peuvent avoir des enfants. Ça n'exclut pas. La Bible dit, en mon nom. Donc si tu crois, et que tu utilises en bon escient le nom de Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras les miracles. Amen. Tu verras le miracle. Il a dit, si il croit deux points en mon nom. Donc il y a le miracle, ça vient par qui? Pour qui? Et comment? Le miracle nous est donné par Jésus, par le sacrifice de la croix, par la croyance que nous avons sur lui, par la parole de Dieu et par la vertu du Saint-Esprit. Parce que pour avoir la foi, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait convaincre de notre état de péché. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les connaissances de Dieu. C'est par Jésus que nous avons ça. Et c'est pour nous. Pas n'importe qui. C'est le nom-là qui ont cru. Le nom-là qui avons reçu Jésus. Le nom-là qui voulons marcher avec Jésus. Et comment? Par son nom. Pas un autre nom. Il n'est pas donné au fils des hommes un autre nom, si c'est le nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom qui soit plus grand que le nom de Jésus. Que ça soit dans le ciel, ici sur la terre, en dessous de la terre, il n'y en a pas un nom comme celui-là. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un autre nom devant quoi ton problème peut résister. Il n'y a pas un autre nom si c'est le nom de Jésus. Quand tu vois ton problème, regarde-le bien, dis-lui, je t'amène le nom de Jésus, et Jésus que je crois fermement dans mon cœur. Je dis que tu vas changer, la situation va changer. Elle changera. Amen. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Deux points en mon nom. Premièrement, ils chasseront les démons. Même quand ils citent des miracles, il est chronomètre. Hein? C'est un ordre chronologique. Il ne les a pas cités comme ça en terminé. Il commence par chasser quoi? Tout commence par l'esprit. Avant que les choses ne soient physiques, elles sont d'abord spirituelles. On peut beau venir te poser la main comme ça, guérir, mais c'est dans le spirituel qu'on agit pour que ces choses-là puissent se concrétiser physiquement. Ils imposeront, il a bien dit, d'abord ils chasseront les démons. Parce que les démons, ce sont des êtres, ce sont des entités qui viennent entrer dans l'esprit de l'homme pour faire souffrir l'homme, tordre. L'âme de la personne. Il dit, vous chasserons cela. Vous allez chasser cela. Nous chasserons ces démons-là. Il nous a donné autorité sur les principautés. En son nom. Il dit, vous chasserez. Pasteur, vous pouvez lire pour moi, Marc 16, 17. Marc 16, 17.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Amen. Papa, si... Il a dit qu'ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc ils ont la capacité d'entrer dans le spirituel et de combattre le royaume des ténèbres parce que je leur ai donné le pouvoir et la puissance. Ils s'arrêtent par là, ils parleront en langue. Quand est-ce que la personne parle en langue? C'est quand la personne est remplie du Saint-Esprit. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont remplis par le Saint-Esprit. Ils sont remplis par le fruit de l'Esprit. Donc quand tu es en Jésus, que tu crois en Jésus, on doit voir quelque chose de différent. Il y a le neuf fruit spirituel. Tu dois avoir de la tempérance. Tu dois avoir ces choses-là parce que tu es habité par Christ. Tu es habité par l'Esprit de Dieu. Il dit, ils vont chasser les démons, ils vont parler en langue et ils saisiront les serpents. On peut saisir que quelque chose que l'on voit. Si tu ne vois pas, tu ne vas pas saisir. Il faut, pour saisir, pour savoir aussi que c'est le serpent, il faut que tu aies la connaissance que c'est le serpent. Parce que des fois, nous chassons des démons alors qu'ils n'en ont aussi. Ils n'en sont même pas. Il y a des choses qui ne sont que des conséquences de faits logiques. Hein? Et on se met là en train de chasser le démon. Vous allez voir quelqu'un qui ne réussit pas à l'école parce qu'il n'étudie pas, il va chasser les démons. C'est insensé. Il ne reconnaît même pas le serpent. Il faut le reconnaître pour le chasser. C'est quand on reconnaît les choses qu'on sait agir à bon escient. Et tu dis, tu réussiras. Quelqu'un qui ne se marie pas peut-être par cause d'un problème de comportement. Mais si tu ne changes pas ton comportement, comment tu te marieras? Même si tu te maries, ça va capoter parce que ça ne va pas. C'est comme ça. Mais tu vas chasser des démons. Tu les chasseras du matin jusqu'au soir. Mais c'est vrai, il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'il y a des problèmes spirituels. Il y a des gens qui ont des difficultés pour accomplir certaines tâches parce qu'il y a des problèmes spirituels. Mais tout n'est pas nécessairement spirituel. Mais c'est quand on est habité par la plénitude du Saint-Esprit. Parce que lui, il nous fait sonder la profondeur de l'Écriture. Il nous fait voir clairement les choses. Qu'on sait savoir que ça, c'est le serpent. Ça, là, il y a le serpent. Et là, tu le saisis. Parce qu'il nous a donné la force. Il a dit, là, le talon de la femme écrasera la tête du serpent. Nous marcherons sur le scorpion et le serpent. Et en rien, ils vont nous nuire. Parce que nous avons cette autorité-là. Nous avons cette autorité. Papa, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il parle maintenant du poison. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Le breuvage mortel, nous pensons toujours que c'est quand on t'empoisonne. C'est vrai, on peut t'empoisonner, Dieu va te délivrer. Mais c'est au-delà de cela. Boire, on boit quoi? C'est de l'eau. L'eau, c'est la parole. Puisque nous vivons une époque où on parle de tout et de n'importe quoi. Il y a des fois, tu écoutes une prédication, tu te poses la question, est-ce que c'est la même évangile qu'on a reçu de Jésus? Ou qu'est-ce qui se passe? Ils commencent par un verset, ils ont tort de le sens. Et les gens pensent que c'est ça la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ils ont tordu la forme, la quintessence même de la parole de Dieu. Ils en ont fait comme quelque chose de rusé, que les gens commencent à parler de Dieu comme si c'était... quelqu'un avec qui on peut jouer. Les gens commencent à jouer avec Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui transmettent un message qui est défaut. Comme l'ordinateur écrit, erreur, erreur, erreur. Si toi tu es de ceux qui ont cru en Jésus, habité par le Saint-Esprit, quand ils disent des choses comme ça, tu vas entendre quelqu'un qui clique en toi. Ça fait tic. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Quelqu'un qui prêche, il prêche bien. À un certain moment, il dit quelque chose, tu sens en toi que tu as un malaise. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Et potaté. Tu ne digères pas ça. Ça n'entre pas. Tu dis, ça j'ai entendu, ça je comprends, mais là, on viendra, on cherchera à introduire des choses étrangères en toi. La Bible dit, ça ne pourra pas pénétrer.
ça n'entrera pas. Ce sont des breuvages mortels. Ils pourront crier des séminaires, des thèmes, des sous-thèmes, ils vont faire des choses. Chez toi, ça ne passera pas. Tu ne seras jamais une prostituée spirituelle qui est en train de courir parce que j'ai entendu dire là-bas, j'ai entendu dire ceci, j'ai entendu dire cela. Parce que en toi, tu y as, tu sais que tu as la vérité. Tu as la vérité. Tu as crié à ce qui est vrai. Il dit, le breuvage mortel, ça ne va rien faire à cela. C'est comme quand tu élèves tes enfants, tu leur donnes des conseils. Quand vous partez chez des gens, il ne faut pas manger. Dans la famille, oui, mais chez les étrangers, ne mangez pas. Même à l'école, si quelqu'un te donne quelque chose à manger, ne prends pas. Peut-être par respect, tu peux le prendre, mais tu ramènes à la maison. Quand tu dis ça aux enfants, tu le dis, tu le dis, tu le dis. À un certain moment, tu vas voir qu'ils ont dit, ils ont digéré cela. C'est venu comme quelque chose qui fait partie de leur vie. C'est automatisme. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est automatique, tu ne le forces plus. Tu ne vas plus t'inquiéter. Bakene Nabaron, je sais qu'ils ne mangeront pas n'importe quoi. Amen. Prédis-le, je sais qu'ils ne mangeront pas. Ils ne mangeront pas n'importe quoi. Dans la Bible, j'avais lu, il y a une histoire dans la Bible, il y avait un groupe d'enfants. Ces enfants-là, c'était des enfants qui étaient vraiment liés à la tradition, aux paroles que leurs parents et leurs ancêtres leur disaient. Dans cette famille-là, ils ne pouvaient pas prendre de l'alcool. Ils ne prenaient jamais du vin. Alors, la Bible dit, l'Éternel dit à son serviteur, prends cette famille-là, amène-le dans un coin reculé, isolé de tous, là où il n'y a pas de regard. Là, on ne sait pas le voir dans une intimité vraiment, toi seulement avec eux. Et ils savent que tu parles de ma part, parce qu'ils savent comment je travaille avec toi. Ils savent que la main de l'Éternel est sur toi. Donc quand toi tu dis quelque chose, c'est l'Éternel qui parle au travers de toi. Il les a pris, il les a amenés, il dit à ses enfants, l'Éternel, le roi des cieux, m'a dit de vous donner du vin que vous buvez. Ils ont dit, nous ne prenons pas de vin. Ce n'est pas parce qu'on ne nous voit pas. Non, ce n'est pas à cause des hommes que nous ne les faisons pas. On a abandonné les péchés, ce n'est pas par peur des hommes. Quand tu évites de te méconduire là, ce n'est pas parce que tu évites les regards des gens. Parce que quand tu marches, je te promets, tu es seul. Et seul, tu évites le péché. Et seul, tu combats les choses qui veulent détruire ta vie. Et seul, tu prends des décisions. Ils ont dit, nous ne prenons pas. Depuis nos parents, nos aïeux, nous ne prenons pas de vin. Le serviteur de Dieu était troublé. Il était troublé. Il a dit, mais comment ça se fait? Vous savez au moins que je parle de la part de l'Éternel. Il dit, nous connaissons l'Éternel. Nous respectons la parole de l'Éternel. Mais chez nous, ça, on ne touche pas. La Bible dit, l'Éternel a dit à son serviteur, comment ne pourrais-je pas bénir une telle famille? Comment ne pourrais-je pas bénir une telle famille? Ils ont pris la parole, sortant de la bouche d'un être dans lequel il n'y a qu'un souffle. Aujourd'hui, demain, il peut s'éteindre, on le dit mort. Ils gardent cette parole-là. Tu les amènes à côté, ils te disent non, nous ne touchons pas à cela. Que Dieu nous épargne de cela parce que chez nous, ça ne se fait pas. Mais Dieu nous parle, nous là, moi ici, là. Dieu me parle. Et quand je me retourne, je deviens comme un canard. Vous savez, le canard ne se mouille pas. Tu peux beau lui mettre de l'eau, il suffit seulement qu'il bouge un peu, il devient à sec. Il va s'en aller à la sec à sec. Jamais mouillé. On parle, c'est sous l'onction. Et il bouge et il tremble. Il suffit seulement qu'il tourne le dos. Sec. À croire que la personne n'avait rien entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas n'importe qui lui a parlé. C'est l'Éternel Dieu. Dieu a dit, j'ai vu des gens qui respectent les paroles des hommes. Ils le respectent. Et moi, quand je parle, ils ne respectent pas. Dieu a dit, je bénirai cette famille. Je veux le bénir. Je veux le bénir parce qu'ils écoutent ce qu'ils ont dit. Donc les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Les breuvages mortels. Dieu ne s'inquiète pas de ceux qui ont la parole de Dieu. En tout cas, Bishop, enseignez-nous. Moi, je suis une sœur dans le corps du Christ, comme vous tous les deux que vous êtes là. On demande aux responsables de l'église, aux pasteurs, aux bishops, enseignez-nous.
C'est quand on sera vraiment enseigné, qu'on connaîtra les bases de la parole de Dieu. Que même si on veut nous tromper n'importe où, nous n'allons jamais succomber. La génération d'aujourd'hui n'a pas de fondement. Ils n'ont pas de base. On ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend plus rien. Nous avons eu la grâce d'accepter Jésus quand on était enfant, quand il y avait des affermissements, quand on nous donnait pas à pas l'évangile. Nous avons compris certaines choses et c'est devenu comme un réflexe. Des fois, tu es devant un truc, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que ça, moi, je ne peux pas faire. Tu ne réfléchis même pas. Mais il y a de nombreux qui se disent chrétiens qui n'ont même pas ces bases-là. C'est pourquoi quand on nous donne le breuvage mortel, on le prend. Et quand on le boit, on est mort. L'Église des dieux est en train de périr. L'Église des dieux est dépourvue des miracles. Et les gens ne vivent plus des miracles parce que les gens n'ont plus ce fondement-là. Il n'y en a plus. La Bible dit, si vous êtes vraiment dans le vrai, ça viendra. Ça ne trouvera pas de place. Ça peut beau souffler. Ça ne trouvera pas de place. Mais il n'y a pas que leur responsabilité. Nous avons aussi la responsabilité. Parce que la Bible qu'ils sont en train de lire, c'est la Bible que nous lisons. La même Bible qu'ils ont dans leur maison, c'est la même Bible que nous avons dans nos maisons. L'esprit qui les anime, là, c'est le même Saint-Esprit qui nous anime. Mais pourquoi ne cherchons-nous pas Dieu dans la profondeur? Pourquoi ne cherchons-nous pas Dieu dans la profondeur? C'est parce que quand vous accédez à une profondeur, la Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Même quand on nous prêche, donnons-nous la peine de rentrer, de prendre la parole de Dieu, de la lire pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Parce que moi, quand quelqu'un prêche, même au-delà de ses paroles, j'entends toujours des mots supplémentaires. J'entends toujours des mots supplémentaires. Quand je rentre à la maison, si je vais lire la même chose, j'ai une autre façon de voir en plus. Il y a toujours un plus. Dieu est une source intarissable. Le même verset que je parle aujourd'hui dit de cette façon. Vous pouvez venir demain ici, vous en parlerez. On va encore bénéficier de quelque chose de nouveau et de puissant à l'intérieur. Parce que notre Dieu est une source intarissable. Et ce n'est qu'après qu'il a dit, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Maintenant, nous avons changé l'ordre des choses. Vous savez, qu'est-ce qu'on attend en premier? C'est être guéri. On a sauté le spirituel. On a sauté le Saint-Esprit. On a sauté. Nous, notre problème, c'est de guérir. Nous, notre problème, c'est que j'ai mal ici. Je veux juste me sentir bien. Je n'ai pas d'enfant. Je veux juste avoir des enfants. Je n'ai pas de travail. Je veux juste avoir du travail. Mais Dieu dit non. Il y a une chronologie. On dit que ce sont de. Les matabis, ce ne sont que des surplus. Hein. Ce ne sont que des surplus. Hein. Voilà, ce sont des bonus. Hein. Ça, ce ne sont que des bonus. Il y a plus fort que ça. Il y a plus fort que ça. Si tu habites dans la maison du roi, tu n'as pas besoin de dire que j'ai soif. Tu sais que quand j'ouvrirai la porte, le frigo est plein. Mais entre-y. Pourquoi on n'entre pas? On se contente seulement de dire, donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'eau. Même en français, on dit, si tu veux mieux aider quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Il ne faut pas lui donner seulement du poisson. Demain, il aura encore faim. Tu veux que je prie pour tes pieds? Oui, je prierai. Tu vas guérir, mais demain, ça sera le dos. Tu viendras, je prierai. Et puis après, ça sera la tête. Comprenons. Parce que l'Esprit des dieux est avec nous. Le miracle est avec nous. Il est présent avec nous. Si quelqu'un est malade au milieu de nous, s'il croit, moi j'ai la conviction que la grâce de Dieu qui accompagne sa présence ce jour te touche là où tu as mal. Si tu as un sang, papa, sache que quand tu rentres, on va t'entendre témoigner ici. Parce que nous vivons avec un Dieu miracle. Nous servons un Dieu qui est vrai. Quelqu'un a un problème, qui soumet ça à Dieu. Quelqu'un a quelque chose, qu'il le dise maintenant là. Et il va voir la main de Dieu sur lui. Il a dit toutes ces choses. Il dit, mais ça s'accomplira. Parce que ce n'est qu'une conséquence logique. Et pour étayer cela, j'ai voulu voir quelqu'un qui a vécu la guérison dans la Bible. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire la lecture. On va parler de la femme qui était guérie de la perte de sang. «
Bon, on ne va pas le lire, hein, ça sera trop long. C'est dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 43. On va extrapoler cela. Si Dieu nous donne grâce d'être un autre jour, on pourra parler. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Et cette perte de sang avait duré 12 ans. Elle a été chez les médecins, ils n'ont pu rien faire. Elle a essayé tout ce qu'elle pouvait essayer. Ça n'avait jamais soulagé sa douleur. Elle était devenue anémique, fatiguée. Et tout son argent était parti parce qu'elle avait utilisé cela pour chercher la guérison. Mais un jour, comme il y en a toujours un jour, il a entendu une annonce. Parce qu'on a dit qu'il a cru à ce qui a été annoncé. Elle a entendu une annonce. C'est pourquoi il ne faut jamais se priver de parler de la part de Dieu. Parlons de Dieu envers et contre tous, avec opportunité ou sans opportunité. On ne dit pas que prêcher seulement, dire seulement à quelqu'un que Jésus t'aime, c'est suffisant. Ça peut faire des choses formidables. Et elle a entendu une annonce, on a dit, Jésus est en train de passer. Il passe. La femme là savait qu'elle était impure. Puisque dans le temps ancien, comme il est écrit dans le livre de Lévitique, si vous lisez Lévitique chapitre 15, vous verrez que quand une femme avait ses menstrues, elle était considérée comme étant impure. Elle devait rester là et quand ça finissait, elle devait prendre 7 jours pour pouvoir avoir une certaine pureté. Elle allait chez le sacrificateur, elle amenait 2 pigeons. Donc c'était tout un cérémonial quoi. Mais elle n'a pas connu ça une période. Elle n'en a pas connu quelques jours, 12 ans durant. On dit que ces personnes-là, si tu les touchais comme ça, je touche ma soeur, je dois faire 7 jours pour me purifier. Je ne serai jamais pure avant 7 jours, seulement parce que je l'ai touché. Ebola, écoute bien. Puisque Ebola, tu peux toucher quelqu'un, tu te laves avec le savon et directement après tu peux faire autre chose, quoi. Mais elle a fait 12 ans avec ça. Tu la touches, tu es impure. On dit, si un homme partait avec elle, si un homme l'a mariée, elle était partie avec elle, cet homme-là était impur. Alléluia. Il était impur. 7 fois. Donc, si elle partait un jour, ça fait 7 jours. Si ça fait 2, ça fait 14. Dans une année, il y a combien? 365 jours. Donc, s'il est avec elle, une année, ça fait 365 multiplié par 7. Et multiplié par 12 en plus. Ça fait quel chiffre? Ce qui fait qu'elle était abandonnée de tous. Elle était devenue anémique. Mais le sang n'est pas quelque chose de banal. Le sang, c'est une matière qui a la force vitale dans le corps humain. Si tu n'as pas de sang, tu es anémique, on doit te transfuser directement, sinon tu es à risque de mourir. Le sang, ce n'est pas quelque chose avec quoi on joue. On avait même vu, il y a des gens qui ont le croyance et témoins de Jéhovah, disons-le, ils n'aiment pas qu'on le transfuse parce qu'ils disent que dans le sang, il habite l'âme de la personne. Quand on te transfuse, on risque de transfuser l'âme de quelqu'un. Bon, nous savons que dans le spirituel, il y a quand même une limite à toutes choses. Hein, bon. Mais c'est pour dire que le sang, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très précieux, ça renferme même la force vitale. Avant que la science ne soit développée comme elle est développée maintenant, pour reconnaître que tel appartient à telle famille, c'est son frère, c'est sa soeur, c'est toujours à travers du sang. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la salive, on peut toujours voir l'ADN et tout, mais le sang a toujours une place capitale. Tu t'identifies à ton père à travers de ton sang. Tu t'identifies à ta mère à travers de ton sang. On sait que tu es le frère de terre à travers de ton sang. Mais elle en a perdu durant 12 ans. C'est pourquoi on n'a même pas donné son nom. Dans la Bible, on parle de Marie de Magdala qui a été délivrée. On parle de la femme de la veuve de Sinaï, la veuve qui avait de Sarepta. On parle même du jeune garçon qui était guéri et qui était ressuscité. Anaïm. On donne des noms, mais celle-là, on ne pouvait plus donner son nom parce qu'elle n'avait aucune identification. Le sang qui pouvait l'identifier à une famille quelconque n'était plus. Sa souffrance était telle qu'elle était soutirée de tous et de tout. Elle n'avait aucune identité.
aucune identité. On l'a appelée une femme quelconque, celle qui avait la perte de son enfant de 12 ans. Azanga Kombo. Parce que la substance même qui pouvait lui donner une appartenance à une famille, qui pouvait lui donner une appartenance à un groupe, n'était plus. Elle était sans issue. Et elle connaissait la parole qui lui disait qu'elle était impure. Elle dit, c'est vrai, je sais qu'il y a cette parole-là. Elle était dans un coin. Elle a entendu que Christ passait. Mais elle se souvenait d'Ésaïe 53 qu'on vient de lire. Là où il est dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a eu un homme, un grand monsieur, qui est venu ici sur terre, il a pris notre place. Il s'est fait impur pour que nous soyons purs. Il a dit, c'est de cet homme-là qu'il s'agit. C'est le fils de David. Elle s'est accourue. La Bible dit, elle est partie, elle a touché le pont de la robe, Jésus. Elle ne l'a pas touché n'importe où. Parce que si vous regardez dans le livre de Nombres, je crois que c'est dans le chapitre 15 aussi, il est écrit, Dieu a demandé, l'Éternel a demandé aux enfants d'Israël. Il dit, quand vous allez coudre, quand vous allez faire vos robes là, tout au bord, vous allez mettre une frange, c'est un morceau, une bande. Et sur la bande, vous allez mettre un cordon. D'après, suivant les versions, on parle de cordon bleu, d'autres parlent de cordon violet. Mais ce cordon-là, l'Éternel a dit, à chaque fois que vous allez voir cela, ce cordon-là manifeste la promesse de ma parole. Amen. C'est comme moi, Dieu, j'ai dit. Amen. C'est ça qui représentait le cordon. Apprenons à connaître Dieu. Apprenons à lire la Bible. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées de Dieu. Saisissons les choses qu'on doit saisir. C'est alors que nous allons vivre ces miracles-là dont nous avons besoin. Elle n'a pas touché n'importe où. Elle est partie sur le pont de la robe. Elle a touché là où il y avait le cordon. Et instantanément, elle a été guérie. Elle a eu peur. Parce que Christ a senti. Il a demandé à ses disciples, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Tout le monde disait, mais c'est pas moi, ça fait moment les disciples disent, il faut les guérir. Mais tu as exagéré quoi? Il y a une multitude tout autour de toi, une foule. Tu es au milieu de la foule. Tout le monde te touche. Il dit, cette personne-là m'a touché différemment. Et celle-là a connu ma parole. Il a mis le doigt là où il fallait. Elle a mis le doigt. Et cet acte-là fait que moi, je ne puisse pas rester insensible. Ma main est entrée dans son affaire, à côté du camp. Et cette personne-là m'a fait entrer dans son problème. Et la femme tremblante, elle a dit, Seigneur, c'est moi. Elle a commencé à balbutier, à se justifier pourquoi elle avait touché. Christ a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'elle était passée partout. Elle était passée partout. Moi, j'ai dit, quand j'ai vu 12 ans, j'ai dit 12 ans, ça fait 12, les 12 enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Vous savez, quand Jacob bénissait ses enfants avant de mourir, c'est dans le livre de Genèse, je crois, 43, la Bible dit, il les a appelés tous, il les a fait asseoir. Il venait donner une bénédiction à ses enfants. Il a commencé par l'aîné, Ruben. Il a dit, Ruben, toi, tu es la force de ma jeunesse, tu es ceci, cela, mais je ne te donnerai pas l'héritage. Tu n'auras pas ma bénédiction parce que tu as souillé le lit de ton père. Parce que Ruben était sorti avec une des femmes de son papa. Dieu a dit, Jacob a dit, la bénédiction de Dieu ne sera pas sur toi. Mais quand il parle de Ruben, il donne l'éloge, il dit, si tu es la force de ma jeunesse, la vigueur même de ma jeunesse. Moi, je vois Ruben, l'image de la médecine. Parce que la médecine, la connaissance, le savoir que nous avons là, l'intellect là, ça vient de Dieu. C'est une chose énorme pour voir comment les scientifiques font des découvertes. Il y a des recherches qui se font, il y a des cancers qui sont guéris. Nous bénissons l'Éternel. Que ces œuvres-là continuent. Si Dieu nous donne des possibilités, soutenons ces choses-là. Parce que ça nous aide, non seulement nous-mêmes, ceux qui viendront après. Nous saluons cette intelligence-là. Nous saluons ces démarches-là. Parce que si Dieu a donné l'intelligence, il sait pourquoi il a donné. Puisque l'homme a sa part. Dieu a la part du miracle. La part du possible selon. Ruben, je le vois comme l'intelligence, je le vois comme la médecine. Il est là, il a des compétences, mais Dieu ne lui a pas ouvert la porte des miracles. Dieu n'a pas ouvert à la science la porte des miracles. Dieu n'a pas ouvert à la science la porte de la résurrection.
Ruben était inefficace devant cette femme-là. Il a consulté, elle a consulté Ruben, Ruben était limité parce que Ruben n'avait pas ce pouvoir-là de ressusciter, de donner la guérison miraculeuse. Et puis il y a Lévi et Siméon. Siméon et Lévi, ce sont les fils de Jacob qui avaient vengé leur sœur, Dina. Dina, c'était une fille qui avait des amies cananéennes. On les interdisait, en fait. On interdisait aux enfants d'Israël d'avoir des contacts. Mais elle, elle avait quand même des amis là-bas. Et à force d'aller là-bas, il y avait un homme qui s'appelait Sichem qui avait des yeux sur elle. Et puis on connaît la suite. Et puis il a abusé de Dina. Alors quand ses frères ont appris cela, ils étaient fâchés. Ils sont partis chercher réparation. Quand ils sont partis, ils ont dit il faut ceci, il faut cela. Les Cananéens avaient peur, ils ont accepté. C'était un peuple nombreux, mais comme ils étaient fautifs, ils ont accepté. Et Lévi et son frère Siméon leur ont donné une condition. Ils disent, si vous voulez qu'on passe l'éponge dessus, vous devez vous circoncire. Tous les hommes étaient circoncis en Canaan à cette époque. Ils étaient circoncis. Alors, quand ils étaient circoncis, ils ont entendu trois jours parce qu'ils savaient qu'ils étaient faibles. Ils les ont exterminés tous. Alors la circoncision à cette époque-là, c'était la croyance en Dieu, c'était l'appartenance à l'Éternel. Donc Siméon et Ruben, ils ont utilisé la parole de Dieu, la croyance pour affaiblir les autres. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont donné un coup de couteau sur le dos, les gens qui leur donnaient confiance. Cette femme-là, assurément, elle a eu des gens à qui elle avait fait confiance, mais qui ont donné un poignard sur le dos. Elle a parlé de sa souffrance, mais quand elle donnait ce lieu, elle dit, oh Wana, banda makine banda obi. Assurez-moi, elle a péché, c'est pourquoi ça continue comme ça. Elle a tout traversé, on n'a plus le temps. Elle a traversé toutes ces tribus-là, personne n'a pu faire quoi que ce soit. Mais il a suffi qu'elle aille dans la tribu de Judas, les lions de la tribu de Judas. Quand elle est arrivée là, parce que la Bible dit, le sceptre ne quittera jamais la maison de Judas. Elle a dit, Judas sera le lion qui tiendra sur la nuque son adversaire. Donc quand il dit, on te tient ici, tu ne bouges pas. Il dit, Judas c'est comme un lion qui déploie ses pattes. Animalement, on dit qu'on gantama. Donc, quand il déploie ses pattes, il se met là. Non bougie. Tu ne peux pas le bouger. Tu n'as pas la force. Et c'est vers là qu'elle est partie. Elle a reçu sa guérison. Et Christ lui a dit, va en paix. Pourquoi en paix? Parce qu'il ne s'était pas seulement occupé de sa perte de sang, mais de la cause de cette perte-là. Va en paix. Parce que je m'occupe de tes oppresseurs. Ils ont fait voir seulement cette maladie. Mais moi, je ne guéris pas ça. Je le vois eux. Je guéris ça, mais je le touche. Je vais à la source. Tu dormiras en paix. Parce que moi, Dieu, j'ai touché à la source de ton problème. Le miracle est possible et il est maintenant. Le miracle de Dieu est avec nous. Croyons en Jésus-Christ. L'œuvre de la croix n'est pas vaine. Christ n'a pas donné sa vie pour rien. Il nous a donné la vie. Il nous a donné son souffle. Il nous a donné son sang. Ces mères sûres nous guérissent, mais tout ça pour un objectif, que nous puissions hériter le royaume des cieux tout en vivant le miracle à notre parcours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.